Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Company of Heroes 2 et plus précisément Ardennes Assault. Et on reprend cette attaque la dernière fois, après avoir utilisé la Company Fox pour prendre Wills en Edge Dwarf, nous allons prendre Bulligan avec Company Fox. De nombreux véhicules ennemis ont été aperçus dans cette zone. Nous pouvons fournir à vos forces des unités mécanisées supplémentaires à intérêt spécifique pour vous aider à tenir le terrain face aux Allemands. Malgré un grand bataillon de chars allemands, ils entraveraient leur objectif de sécuriser des routes pour se retirer de la région. Donc les véhicules font perdre des points aux ennemis. Nous aurons la spécialisation d'armurerie en tant que récompense, mais honnêtement ça sert à rien. Ça on s'en fiche. Et l'ennemi aura des véhicules légers, moyens et même des mortiers avec track. Heureusement ils n'ont pas encore de blindés lourds. Enfin, pas de blindés lourds. Plus ou moins, si la partie s'éternise, ils en auront. Donc, il faut que ça charge, c'est toujours aussi lent. Et c'est parti pour Bullinger. Les Allemands sont en Donc train au début, ils ont dans tout la de zone. Suite récupéré comme d'habitude l'essence à cet endroit, ça sauverait de nombreuses le vies plus vite plus tard. Possible. Le camp de charme va nous servir très vite on va à capturer demander des blindés en renfort pour nous aider à contrer l'escalade ennemie. À capturer les zones, hein, au début de partie, il faut très vite prendre le plus de points possible, donc ce sera très pratique. Voyez si vous pouvez le localiser et l'utiliser à bon escient. Donc ici, nous allons déposer nos troupes pour récupérer ce point-là. Nous allons faire pareil un peu plus haut. C'est vraiment important de récupérer le plus de points possible. On essaiera de défendre le plus possible la gauche avec nos troupes d'infanterie. Ça devrait pas être facile en fonction du type de véhicule qui nous envoie. Mais ça devrait le faire. Ok, ici nous sommes déjà sur l'essence. À gauche, en fait, ce qui est important, ça pourrait tenir une défense vers l'essence ennemie. Parce que 2-1, les bâtiments nous aident beaucoup. Ce qui est déjà non négligeable. Hein. Des bâtiments en défense, c'est plutôt pratique. Et de l'autre, ça bloque l'ennemi sur son essence. Moins d'essence pour l'ennemi, plus d'essence pour nous. Tout le monde est content. Que demander de plus? Donc, là, on récupère aucun anti-char. Quoique, je vais faire un bunker avant. Ce qui est important que ce canon-là soit plutôt bien protégé, étant donné que globalement j'ai envie de trouver l'infanterie de l'autre côté de la map. Donc faut que j'envoie le plus de troupes possible. A savoir que les renforts ennemis viennent bien évidemment avec le temps, mais aussi plus son compteur de points de victoire diminuera, plus l'ennemi aura des renforts conséquents. Au début ce sera des véhicules légers, puis après ça passera à des renforts de véhicules lourds. Bien évidemment, donc c'est pour ça, prenez ça en compte quand vous faites la mission. Mais globalement, c'est faisable assez rapidement cette mission-là. On verra bien si ça se passe bien, hein, bien évidemment. On n'est pas toujours certain quand on commence à filmer que tout se passera bien, bien évidemment. Et là, parfait. Mon A20 va me servir à quelque chose pour une fois. Pour l'instant, je fais une troupe d'infanterie à droite pour protéger le temps que mes bunkers soient construits. Quoique. Bon. Ah. J'aurais bien aimé prendre l'essence. C'est bon. On va prendre le bâtiment là. Unité en réserve. Génie d'assaut prêt à être déployé. Ici, on va vite la tourner pour pouvoir attaquer la Puma. Ça devrait faire, Mon canon t-shirt faut que je recule, sinon on va rentrer dans les données. Le point de capture est envahi. L'ennemi a détruit une position. Toi, tu recules, j'ai pas envie de te perdre parce qu'il faut encore toucher tes bunkers. Après, c'est pas grave. Encore un autre char ennemi détruit. Là, je vais aller derrière lui. Que si jamais en fait le track recule, ce qui est fort probable. Il faut savoir que le Altrak ne peut pas tirer sur le site à sa proximité, juste à côté de lui. Donc si jamais vous êtes dans un bâtiment que vous êtes à côté de lui avec votre infanterie, il ne pourra pas tirer. Comme là par exemple, il est beaucoup trop près de moi, là c'est juste parfait. C'est juste parfait là. J'aurais pas pu espérer mieux. Bon et bazooka ont déjà été fabriqués, donc c'est bien ça, c'est une bonne nouvelle. Là j'ai pas redégommé l'arme légère. Il est trop près de moi, s'il aurait vraiment voulu l'utiliser contre moi, il aurait dû avancer un petit peu.
mais juste un tout petit peu, comme ça au moins il aurait pu l'utiliser correctement. Étant donné qu'il l'a pas fait, ben voilà. Occupez-vous de vos attributs anti-char. Panzer en approche. C'est la faute de mon ennemi et pas la mienne. Bon, après celui-là, c'est normal, on en profite. Surtout que l'ennemi n'aura pas idée de bouger. Hein. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y a jamais. Vu que techniquement, la portée qui sait que normalement qu'il gagne, l'IA reste. Mais une fois qu'il voit qu'il a perdu beaucoup de vie, il se dit ah, en fait, je suis en train de perdre. Là, je parie qu'il a essayé de circuler, regardez la minimap. Je vois que ça clignote, donc c'est-à-dire qu'il s'est reculé. Ouais, bien joué! Mais je l'ai fait sauter. Là, vite fait, bien fait. Je vois tout fumer d'ici, donc c'est pour ça. Et j'ai en plus à disparu d'un minimap sans qu'il bouge. Donc, ici, en attendant que mon deuxième bunker soit opérationnel, une troupe de fusée coulera. Il recule. Là, on couvre le point. Les fusées dans les bâtiments, je vous ai déjà dit, il n'y a rien de mieux. Enfin, si. Vous pouvez mettre des troupes d'élite à la place, mais c'est vraiment génial, je trouve. On essaye de maintenir la défense sur la gauche, à droite, du fait du canon anti-char, la défense sera plutôt facile à avoir. On a les ressources pour major, on l'appelle. Bien évidemment, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Je refais le bunker. Bien évidemment, il nous faut le bunker, donc... Il nous faudrait le refaire, hein. On est obligé. C'est bon. Je replie les troupes pour une simple bonne raison. J'ai besoin de récupérer cette soldats de la première formée sur le bec 2, sur le de la dôme, autant que ça au plein potentiel. Hein. Pour l'instant, j'ai pas besoin de troupes. Cette position de combat avec de la puissance de feu. Parce que l'ennemi est calme. Les charaliers arrivent. Indiquez-leur la bonne direction. C'est bien mis. Le crack anti-aérien ne servira à rien, ton ennemi a des véhicules beaucoup plus tenaces que nous, il va bientôt avoir des pumas. On a même déjà vu des pumas. Donc deux raisons pour pas y aller tout de suite. Mon lieutenant va défendre le point, en attendant. Le véhicule il passe là-haut, est-ce qu'il va s'arrêter? Non. On va le chercher, on va aller le chercher. S'il ne veut pas s'arrêter, on va venir le chercher. Il nous faudra les grenades pour plus tard, ça sera pas possible. Notre position de combat est maintenant équipée. Et de deux. Dommage. Dommage, dommage. Alors là, il y a une troupe qui s'est approchée. Je sais pas. Ah, il est en train de capturer le point, d'accord. A droite, c'était capturé. Au centre, je capture pas. C'est pas bien. Bon, à gauche, c'est bon, c'est en train d'être neutralisé. Ici, une grenade normalement. Si vous avez des cibles blindées en vue, si j'ai de la chance, j'ai pas de chance. J'ai des ordres pour vous, soldats. Les ordres arrivent, la grenade, je l'ai entendu en plus cette grenade. Des ordres. Oh, puis pas eu le temps d'agir, c'est ça que je veux. À couvert, à couvert. Bon, l'ennemi s'est replié. Je qu'on sécurise cette position. Mais bon, c'est. Ah, je m'en veux. Ah non, c'est pas replié, non, il va continuer à me taquiner. Ah, mon lieutenant va se débarrasser, il va capturer puis le replier. On se fait arroser ici. Des autres. Je replie, il y a plus d'envie qui reste. Vous avez remarqué que j'ai pas fait d'ambulance aussi. Bon. Occupez-vous de vos attributs anti-char. Panzer en approche. Je peux pas tout avoir. Hein. D'habitude, j'aime bien avoir des hommes frais, mais là, je peux pas trop me permettre. Tenez-vous prêts. Surtout manque de temps, quoi. Ouais. Oh, parfait. Je n'ai plus qu'à porter. Ah, pour une fois que quelque chose. Rien en plus, à plus de moteur. Ah non, ouais, il est mort. Ouais, voilà. Bien joué. Continuez comme ça et on aura descendu les Allemands. Vite fait, bien fait. On essaie de tenir les bâtiments comme toujours. Vous remarquez, j'ai toujours un gros périmètre défensif. Hein. Et des Jagdpanzer. Ah, pourquoi pas. Hein. Nous avons perdu une
Le premier obus qui tirera étourdira le véhicule. Surveillance artillerie perforante active. Le barrage d'artillerie. Les sections tirent sur toutes les cibles. Et parce que si ce fait gaffe sur le droite, il y a un char à côté de là, on voit. Je vais bien orienter le canon, bien de ma part. Ah si, je sais bon. J'ai cru que j'avais oublié. Ça arrive. Là, ce que j'ai envie, c'est qu'ils se rapprochent du bâtiment. Avancez, bon sang. Pour refaire le même coup que tout à l'heure. Ils auraient fait 10 points de moins à détruire, ça m'aurait arrangé. Je peux pas me permettre de perdre qui que ce soit. On peut pas toujours tout avoir. Ça a marché. Ça devrait le faire, normalement, ça devrait le faire, mais c'est pas tant que vous, tu viens de refaire même connerie. On est prêt. Section parée. Tire de roquette. Bon, Black Panther 4 au milieu. Me demandez, il était où? Maintenant je sais, c'est parfait. Bonjour, je suis là, au revoir. Partez, vous êtes mort. C'est parfait. Mon char, non, finalement, je pars. Il y a un petit bug, quoi. Génial. Mon char a emporté des fusées. Pour entrer en bâtiment, il faut que je trouve ça pour que ça dégoûte de l'autre. Ça va, j'ai pas vu qu'un homme, mais ça aurait été pire. Mon escouade aurait pu ne plus être opérationnel à cause de ça quand même. Donc, On vient de me rapporter qu'une unité d'infanterie s'est fait dégommer. Croyez prêt. Le char ennemi nous fout la peau. Faut se rendre. Section. On veut utiliser notre capacité tous les blindés ennemis. Autant abuser cette capacité, honnêtement. Vous relâchez pas. Couvrez les approches. C'est. Disons que c'est la compagnie la plus adaptée pour les tours de véhicules, étant donné que vous avez ce barrage là qui fait globalement très mal sur le véhicule ennemi. Surtout, vous avez remarqué comme je l'ai amélioré à donf cette capacité, donc c'est pas encore trop compliqué. Donc, non, la mission va plus se passer, je pense. Et on ne devrait pas avoir de problème. La zone est à nous. Bon, avec un peu de bug avec un obus explosif, ça passera peut-être. Non. De nouveaux véhicules alliés viennent d'arriver. Ils ont besoin d'ordre. En avant, bordel. On a deux, deux nouveaux véhicules, un Sherman, c'est bien. L'autre véhicule ne m'intéresse pas, donc on renvoie en arrière. Des renforts de Panzer allemand arrivent. Un point de capture est envahi. Les fusils ont fait peur avec ces recrues. Bon, mettre de côté ce véhicule. Ce canon là au centre, mes infanteries sont retournées à base. Il est tenace ce char quand même. Au bout d'un moment, il va quand même être détruit. Oui, voilà. Ouais. Le bon point. De toute façon, tous les ennemis perdent des points, puis c'est pour moi. Et la réparation, on s'en fiche totalement. Si j'ai trop encore deux véhicules, c'est fini. Enfin, trois véhicules, c'est fini, mais bon. Je pense. Ouais, bien joué. Continuez comme ça, et on aura descendu les Allemands vite fait, bien fait. Ok, on couche. Allons les déplacer. Il dégage. Oula, oula, qu'est-ce que je me suis pris là? Les gars. La promotion il doit avoir un char quelque part. Je vous tue, go. Corrigez votre tir de roquette. Il doit un char quelque part, je sais pas où. Une escouade de vos grenadiers en moins. Les troupes sont quasiment mortes, mais. Les obus sont quasiment rien. Préparez-vous.
c'était bien ce que je pensais, c'était que son Yak Panzer. Enfin, Yak Tiger. Ah, il doit pas manquer beaucoup de points en plus pour avoir coupé une nouvelle 3. Ça serait bien. Mais ça met, vu le point qui reste à l'ennemi. Non, je vois pas de quoi. Donc ça, je les replie bien. Ouais. On prend pas de risque. C'est pas grave. J'aurais pas le temps de détruire, c'est tant pis. Ah là, victoire. Blindé ennemi neutralisé. L'attaque allemande a échoué. Bien joué. Mission accomplie. Heureusement, heureusement, heureusement. Ça va, on a limité la casse, on va dire. On va dire ça. On a perdu 10 points de force de compagnie, c'est négligeable. Par contre, il reste que 10 points là d'expérience. Ah, tant pis, tant pis. Bon, ben, il ne reste plus qu'une attaque à faire maintenant. Hein. Ça sera la compagnie Baker qui s'en occupera de la dernière assaut. Hein. Mais avant ça, on va redistribuer les points de réquisition. Bon, on n'a plus besoin. Allez, on va reformer la compagnie Dog. Comme ça, ça sera à 100% une fois qu'on a terminé la prochaine mission. Ça sera parfait. Donc Baker devra terminer la campagne en s'attaquant à Uren. Vous m'avez savoir regarder cette vidéo, je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.